Hello tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pettiment, un jeu développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Alors on s'était quitté ici après le crime du baron. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, on ne va pas assister à l'autopsie pour la simple et bonne raison qu'on va essayer d'enquêter un maximum sur les 4 accusés. Il faut savoir que si on n'assiste pas à l'autopsie, on n'aura pas le moyen de découvrir comment a été tué le baron. Parce que en fait, on va se contenter du strict minimum, à savoir un poignard. Or, il faut savoir que le baron a été tué d'une autre manière. Et donc, sans savoir cet élément-là, on ne peut pas rechercher les armes du crime. Et donc, on ne pourra pas débloquer un succès en particulier lors de l'interrogatoire avec l'archidiacre, qui est le ragot inintéressant. Donc, on va vraiment amener lors de l'interrogatoire des éléments très succincts. Mais bon, ça, on ne va pas s'en inquiéter. On le fera lors de notre deuxième run. On fera l'autopsie et puis on pourra comme ça casser le nez du médecin et découvrir comment a été véritablement tué le baron pour pouvoir mener une enquête un peu plus complète. Alors du coup, là, on va aller parler à Cecilia, donc la nonne Cecilia qui se trouve au niveau de sa maison. Donc là, évidemment, c'est un peu grillé, hein, puisqu'on a découvert le passage secret de la bibliothèque bien avant. Mais si on ne l'avait pas fait, eh bien à ce moment-là, elle vous aurait demandé, la nonne, si on sait comment accéder à la bibliothèque. Et là, vous aurez dit que non, pour ne pas vous faire griller. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas bien dramatique. Donc là, on va pouvoir descendre en ville. Donc là, on va se rendre au logis des hôtes. On va trouver une lettre. Et ça va être un élément supplémentaire dans l'enquête contre le prieur.
Alors voilà, lors de ce dîner, vous allez évoquer les différents accusés. Donc vous avez effectivement Chancellor Steinhauer, qui est donc le tailleur de pierre. Vous avez effectivement la veuve qui fait partie des accusés. Donc voilà, là, vous apprenez qu'effectivement, la veuve, elle risque d'être expulsée de chez elle. Vous avez effectivement le prieur Ferenc. Effectivement, mère Cécilia. Quatre suspects. On va juste voir. Donc là, il n'y a rien. Ok, ici non plus, il n'y a rien. Alors, effectivement, on a plein de quêtes qui se sont rajoutées. Alors, comme je vous ai dit, l'autopsie, on va pas la faire.
On va parler à un moment donné au tailleur de pierre, oui. On va essayer de parler aussi à la veuve. Ça, malheureusement, ce sera que demain. Et la bibliothèque, eh bien, ma foi, on peut y accéder que la nuit. Et ça, on a déjà parlé à Mère Cécilia, donc on est plutôt bon. Donc, nous allons voir cette veuve. Donc là, il faudra se proposer pour effectuer ces corvées. Et évidemment, ça va nous prendre tout l'après-midi. Voilà. Ensuite, retournez voir la veuve. Et il sera très important de ne pas accepter sa demande de couper cet arbre parce que, encore une fois, on ne veut pas se mettre la baie à dos. Alors, donc LTRT, vraiment, il faut essayer de faire au mieux. Voilà, on n'y arrive pas.
Donc la longueur des branches est vraiment aléatoire entre vous et moi, donc faites au mieux, hein. Ensuite, allez lui parler. Alors, retournez les tableaux avec le stick L jusqu'à les mettre droit. Alors, on va mettre celui-là en haut. Alors, choisissez que comptez-vous faire de cette croix? Dites-lui que vous pouvez la déplacer. Voilà. Ici, vous avez un document très important qui atteste comme quoi elle va être expulsée de ses terres. Si lors de l'interrogatoire de l'archidiacre vous montrez ce document, eh bien l'abbé se dira que vous êtes en train d'interférer entre son abbaye, entre l'église et la veuve, et donc vous serez mal vu. Alors, donc là, on a le choix. On va pouvoir manger. Et pour ça, je pense que, eh bien, nous allons pouvoir retourner chez
les Gärtner. Parce qu'on va apprendre plein de choses de leur part aussi. Donc on va quand même manger avec eux.
Du coup, nous allons nous coucher. Nous irons visiter la bibliothèque demain. Alors, en réalité, quand vous ferez l'autopsie, vous verrez que ce n'est pas le coup de couteau qui a tué le baron, mais autre chose. Et évidemment, le docteur Florian ne peut pas voir la cause réelle du décès pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas pu retourner le corps à lui tout seul. Mais bon, je ne vais pas spoiler et ne pas vous dire de quoi il est mort. Mais en tout cas, ce n'est pas du coup de couteau. Se coucher. Alors là, ça va être très important de choisir l'histoire que vous allez raconter parce que la petite va s'en souvenir un petit peu plus tard. Donc vraiment, je vais prendre celle-là. Parce que le mot hanté est quand même assez fort. On va descendre. On va parler à Eva. Ou Clara? Non, c'est Eva. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est... On va parler à Chansa. C'est plutôt de l'autre côté.
On va essayer de lui soutirer des informations. Surtout, ne l'oppressez pas, donc dites que vous avez nulle intention de le presser. On va le surveiller plus tard. Nous allons aller filer la laine. C'est pas par là le chemin. Et on va s'adresser à Joanne. Et si en plus de ça, vous pourrez obtenir un succès en lien avec le filage de la laine, donc c'est parfait. Attention, l'heure de vérité approche. Alors, pour obtenir le succès, rien de plus simple, il faut être entre guillemets aussi rapide que les filles qui filent. Pour ça, 3 fois LT, 3 fois RT, 3 fois LT, 3 fois RT, puis A. Et voilà. Ne vous en faites pas, si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous avez au total 4 essais pour obtenir le succès.
Voilà, ici, dernier essai. Donc, je vous le rappelle, 3 fois LT, 3 fois RT, 3 fois LT, 3 fois RT, puis A. Ici, demandez par rapport aux moines et aux nonnes, comme ça vous aurez, entre guillemets, un moyen de pression pour rendre visite à Pierrot enfermé dans le cellier. Alors là, vous pourrez. Alors là, selon comment vous avez avancé dans l'enquête, si par exemple vous avez filé Chansard, le tailleur de pierre, bien avant de vous rendre au filage, vous aurez l'opportunité de pouvoir leur poser la question à propos de Chansard. Si comme moi vous ne l'avez pas fait, eh ben ma foi, choisissez la question qui vous intéresse, dont la réponse vous intéresse le plus. Ici, c'est l'heure de manger, donc nous allons nous rendre à nouveau chez le tailleur de pierre. Et nous allons tenter d'en apprendre plus. Nous allons nous rendre chez Agnès, directement chez Agnès. Alors, voyons s'ils seront un petit peu plus loquaces.
Ainsi, nous allons pouvoir maintenant filer notre cher tailleur de pierre. C'est parti. Alors ici, très important, soyez hyper rapide pour enlever les bêtes qui se promènent sur Andrea, sinon vous allez vous faire repérer. Oh, pauvre poisson!
Alors, nous allons manger avec notre ami Sabat afin d'avoir un succès. Mais avant, on va voir s'il est possible de parler de nouveau avec Agnès. Car nous avons des informations supplémentaires. Absolument pas. Passons par Chansard. Alors ici, fixez stoïquement. Continuez à le fixer. Fixez le sensilier. On va tenter auprès d'Agnès. Là, le fait que vous ayez fait médecine pour elle, eh ben voilà, c'est un plus. Vous avez en plus mangé avec eux, donc top top. Quand je vous avais dit qu'il était important de prier pour la santé d'Elena, eh bien c'était pas pour rien parce que c'est quelque chose qu'Agnès apprécie. Et vous avez montré de l'intérêt pour les Pfeiffer. Je me souviens plus du tout qui sont les Pfeiffer, mais voilà. Qui sont les Pfeiffer? Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, vous avez réussi à obtenir un discours réussi. On retourne auprès de Chansard. Sur ce, on va se rendre à l'église.
Et nous allons manger avec notre ami Sebat afin d'obtenir un succès où on va nous piquer notre chapeau. Alors ici, normalement, vous avez un autre animal à caresser. Coucou! On va juste aller. Et on va donc manger avec ses battes. Elena Pfeiffer, voilà. Alors là, il n'y a rien de particulier. Juste cliquer sur A. Et le succès va venir naturellement. Voilà, donc le succès va se débloquer pendant cette histoire. Encore une fois, rien de particulier à faire, si ce n'est appuyer sur A.
Voilà, succès obtenu, bravo. Nous allons pouvoir enfin nous rendre à la bibliothèque. Alors, passez plutôt par l'église. Et nous allons nous rendre à la crypte. La crypte nous donne le passage secret vers la bibliothèque. Rentrons. Ici, il s'agira de lire tous les documents. Premier étage. Encore une fois, si vous n'avez pas pu débloquer le succès en lien avec la résolution de la Volvelle, c'est ici que vous trouverez les renseignements concernant les signes astrologiques. Ou bien vous renseignez auprès du médecin. Alors, montez au premier étage, enfin l'étage suivant plutôt. Et c'est ici que vous trouverez les renseignements concernant les nonnes. Thank you.
Vous pouvez sortir ou continuer à lire. Alors ici, ça va être très simple. Voilà. Alors, soit effectivement vous pouvez prendre l'escalier et vous serez considérablement avantagé par votre jeunesse, soit effectivement vous pouvez leur parler, vous arranger avec eux. De toute façon, si vous avez la compétence d'orateur, voilà, ce sera simple. Soit vous restez là. Vous perdez du temps, malheureusement, mais vous faites le succès en lien avec Zedena. Ouais, j'arrive jamais à prononcer son nom. Bref, nous, on va rester là et on va obtenir notre succès. Alors ici, il faut simplement parcourir les allées et vous serez interrompu deux fois. Voilà, donc vous voilà à nouveau dans votre rêve. Rien de particulier à faire si ce n'est skipper le dialogue.
Alors ici, comme votre but est d'embrasser cette jeune nonne, vous dites que vous êtes venu pour elle, évidemment.
Alors là, vous avez donc obtenu votre succès, embrassé Zdena, bon, comme vous voulez. Par contre, vous êtes en mauvais terme avec Illuminata, évidemment. Donc, ce que nous allons faire, une fois le succès obtenu, c'est revenir au menu principal, quitter le jeu, continuer. Retourner dans la crypte, malheureusement, pour tout faire. Monter directement. Puis... Tout refaire. Et, évidemment, vous rendre directement à Mathilda. Et à la fin, vous allez évidemment refuser de l'embrasser. Ou alors, vous partez. Nous, du coup, on va partir en courant. Puisqu'on a obtenu notre succès, on n'a plus vraiment de raison de d'être là. Voilà, donc il va se passer à nouveau ce qui va se passer. Alors, là encore une fois, si vous avez fait votre succès pour embrasser Svedena, en supposant qu'elle s'appelle comme ça, eh bien, si vous n'avez pas obtenu le succès, vous choisissez ça. Nous, on l'a obtenu, donc on va prendre les escaliers et partir en courant. Appuyez sur le joystick, hein. Quelle course-poursuite! Vous allez donc refaire à nouveau le même rêve. Pareil.
Et voilà. L'archidiacre est là. Avant de le rencontrer, on va faire encore deux choses. On va obtenir le succès où on va rentrer dans le cellier. Plutôt mère Cécilia. Thank you.
Alors, on a avancé. Alors, par rapport à la tombe, malheureusement, il nous faut l'accord de l'abbé pour pouvoir déterrer la tombe. Or, pour pouvoir avoir son accord, il faut avoir participé à l'autopsie sans se faire attraper. Chose qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait l'autopsie. Donc, ce succès-là sera obtenu lors de la deuxième session de gaming. Le baron et la nonne. On va voir du coup ce qu'on en fait. Et puis ça, eh bien nous avions terminé. Alors. On va de nouveau interroger Mathilda, cette fois-ci sur sa relation avec le frère. J'arrive pas à prendre. Voschlav. Oh là là. On va pouvoir du coup maintenant. Ah pardon. Assister. On trouve quelqu'un avec qui manger. Et là, ma foi, vous pouvez manger avec un peu n'importe qui en fait. On va aller dans la forêt. Et on va aller ici. Fumeron.
Et on va manger avec Fumeron. Voilà, là c'est l'heure de vérité. Alors, si on regarde par rapport aux quêtes, on s'est remis à jour.
On va juste voir quelque chose. Donc là, il y a le vieux auto qui pêche, comme d'habitude. Et là, effectivement. Donc là, il n'y a rien de neuf. Donc on va pouvoir y aller. Alors, ici est la salle capitulaire. Ici se trouvent les gens qui vont assister. Oh, il y en a du monde. Nous, on va juste faire un succès en lien avec notre cher Vojlav. Ouais. C'est qu'on va tenter de le convaincre de nous laisser rentrer dans le cellier. Et pour ça, comme on a discuté avec Fuméron, eh ben on a des arguments béton. Alors, là, malheureusement, on n'a pas réussi dans notre échange, mais qu'importe, parce qu'on a un moyen de chantage. Voilà, vous avez donc obtenu votre succès. Le fait de parler avec Pierrot, malheureusement, n'apporte rien de particulier. Mais bon, qu'importe. Juste histoire de lui faire un petit coucou. Alors, ici, on va devoir être très prudent parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, on essaye vraiment d'avoir un acte 1 terminé en bons termes avec notre cher ami l'abbé. Or, nous allons tenter d'obtenir des succès lors de cet interrogatoire avec l'archidiacre qui vont malheureusement porter préjudice à notre bonne entente avec l'abbé. Du coup, ce que nous allons faire, c'est que, et ça va être très important, c'est qu'après chaque accusation, une fois notre succès obtenu, parce que nous allons accuser nos cinq protagonistes, bah oui, il y en a encore un dont on n'a pas, sur lequel on n'a pas encore enquêté, mais vous verrez, ça paraît très logique. Donc on va accuser tour à tour nos cinq protagonistes. Et puis, dès que le début de l'exécution va commencer, parce que je ne vais pas vous cacher, voilà, on a rencontré un bourreau, donc vous imaginez bien qu'il va être exécuté, eh bien, on va quitter la partie et recharger notre sauvegarde, et on va tomber exactement au même endroit, à savoir le cloître. Eh ben, on y va, let's go! Alors, ici, très important, être hyper cordial avec Jacob.
Alors, ici, vraiment être. En tout cas, pas choisir la dernière option. Voilà, plutôt la première. Un homme raffiné, amateur d'art et de connaissances. Voilà, parfait. Ici, très important, ne rien dire, parce que si vous dites c'est faux, le baron était déjà mort, vous lui coupez la parole. Et ça, il va pas aimer l'archidiacre. Donc ne dites rien. Alors, comme vous le voyez, nous avons cinq accusés, dont le dernier, Martin Bauer, celui qui s'est échappé avec les bijoux du baron, qui fait partie de la liste. Donc, on va commencer avec Chansard. Et avec Chansard, Steinauer, il n'y a pas de succès, donc vous pouvez sans autre y aller. Ici, dites non. Et là, vous avez obtenu le succès en lien avec le tailleur de pierre. Donc vraiment, allez jusqu'à ce que le grand York vous dise, vous avez manqué le procès Andreas, un magistrat, gna gna gna. Donc, succès obtenu, bravo. Donc, à nouveau, start, menu principal, quitter le jeu. Là, nous allons continuer. Vous voyez que vous revenez au cloître. Donc on va faire le même procédé, mais cette fois-ci pour la veuve. Pareil, soyez toujours très poli avec Jacob. Alors non, tiens. On va passer plutôt par la nonne, pardon, sœur Mathilda. Je pensais que la veuve était en deuxième position. Alors, on va accuser la nonne.
Ici, pareil, dites que vous ne voyez pas. Alors, pourtant, je suis là. Et là, normalement, vous obtenez votre succès en lien avec la nonne. Pareil, quittez le menu principal. Donc c'est très répétitif hein, ce qui va se passer les prochaines minutes, mais voilà. Donc toujours la même chose, soyez polis et ne coupez pas la parole. Alors, ici on va choisir la veuve. Donc là, on va essayer de dire oui, votre révérence. On va tenter quelque chose de nouveau. On va voir si on arrive à prendre des raccourcis. Alors, on a déjà accusé, pardon, le tailleur de pierre, la sœur, la veuve. Ici, on va s'attaquer au prieur. Ouais, je sais, c'est effarant.
Alors normalement, vous auriez dû aussi obtenir le succès Ragots croustillants. Dites à Jacob Hessler des ragots sans importance. Bon voilà, parce que vous n'avez pas plus de preuves. Ou bien, si vous avez eu le temps de confronter Cecilia à son... pas Cecilia, pardon, Mathilda, avec son aventure avec le frère Voslav. Voslav, ouais, Vosh... Bon, bref, vous m'avez compris. Vous pouvez amener cet élément-là à l'archidiacre, le raconter, et pour lui également, c'est une... C'est un ragot sans importance. Donc là, à nouveau, pareil. C'est dommage qu'on puisse pas skipper, par contre, les longues tirades comme ça. Voilà, donc là, vous obtenez le succès en lien avec le prieur parce qu'on a fait exécuter Ferenc. Évidemment, on ne va pas garder cette version-là parce qu'on ne veut pas se mettre l'abbé à dos. Donc on va accuser le dernier. Comme ça, on est sûr et certain d'être cool avec l'abbé. On va accuser Martin. Bon, les gens du village vont peut-être nous en vouloir à fond. On va accuser Martin. Et ici, encore une fois, comme on veut pas... être fâché. On va en rester là. Et on va voir si on a réussi à accuser Martin. Ils ont accusé quand même le tailleur de pierre. Bon. Tant pis. On aura essayé. De même que si vous ne choisissez pas quelqu'un en particulier, à ce moment-là, il exécute Pierrot. Donc là, ma foi, il a choisi le tailleur de pierre.
Voilà, nous avons terminé l'acte 1, parfait. En plus de ça, j'ai pu terminer l'acte 1 avec les faveurs de l'abbé. Youpi, youpi, youpi. C'est difficile d'être gentil quand même. Hein. Voilà, donc on a pu obtenir un certain nombre de succès. Et tous les succès, malheureusement, ne s'obtiennent pas en une session de gaming, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, il va falloir en faire plusieurs. J'essaie, dans la mesure du possible, de vous en fournir un maximum avec les compétences que j'ai choisies. Mais vous vous doutez bien que c'est extrêmement compliqué. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, casser le nez du médecin lors de l'autopsie, eh bien, il faut être vaurien. En même temps, si vous êtes vaurien, vous ne pouvez pas avoir les faveurs de l'abbé. Et si vous n'avez pas les faveurs de l'abbé, vous ne pouvez pas rentrer dans l'interrogatoire de l'archidiacre parce que vous êtes expulsé de l'abbaye avant même d'y avoir mis un pied. Voilà, donc vraiment dans la mesure du possible, j'essaie de vous donner une sorte de guideline un peu parfait, mais vous vous doutez qu'avec le peu de temps qu'on a par rapport à l'enquête et selon les compétences que l'on a choisies, c'est très difficile. Donc, ce deuxième acte, pareil, il va y avoir plusieurs succès où il faudra faire un choix entre le yin et le yang, on va dire. Voilà, donc pareil, on va essayer d'avoir une route un peu parfaite pour faire ce deuxième chapitre. Mais évidemment qu'encore une fois, il faudra réussir le 100% en faisant plusieurs sessions de run. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie de vidéo vous a aidé. Et j'espère que la suite également pourra vous aider. Moi, je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce sur la vidéo vers le haut, évidemment, hein, si cette partie de jeu vous a aidé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, sur Twitter. Peut-être un jour sur Facebook, qui sait, Instagram, on ne sait jamais. La vie est pleine de surprises. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite des aventures de Andreas. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.